On a porté le notaire pour aller à l'hôpital général à Yaoundé pour que le vendeur signe l'acte de vente. Le vendeur avait 65 ans, hospitalisé vrai à l'hôpital général, vrai malade. Bon, les bandits l'avaient utilisé comme il était vrai malade pour qu'il joue le rôle du faux vendeur. Et les gars devaient payer ses soins presque 15 millions. Dans les 200 millions qu'ils devaient prendre. Donc, ils ont expliqué au client que le vendeur est interné à l'hôpital génico. Donc, quand vous dites que le vendeur est interné, va appeler un conseiller. N'allez pas seul. Il a refait frapper. Donc, quand le problème du vendeur est trop grave, et quand le prix du bien est trop bas, on va avoir peur. On dit, à quoi on vend le terrain entre 600 et 700 000 mètres carrés? Hein? Au boulevard, il y a City Sport, là. Là-bas, c'est grave. C'est plus d'un million le mètre carré. Le prix d'un mètre carré, c'est plus d'un million. Puisqu'il y a un terrain, là, de 1700 mètres carrés, on vend à 2 milliards et demi, non négociable. Quand tu appelles le vendeur que le client a 2 milliards, il dit non, je ne m'appelle plus. S'il n'a pas le prix, puisque les loyers là-bas lui rapportent plus de 20 millions par mois sur l'immeuble. Donc, il n'a pas faim. Il vend ça pour résoudre une autre affaire. Il ne vend pas ça parce qu'il a faim. Donc, pour négocier ce genre de bien, c'est compliqué parce que le loyer mensuel lui rapporte beaucoup d'argent. C'est difficile de négocier ce genre de bien. Quelqu'un vous propose donc ce bien, vous êtes aux États-Unis. Il vous dit, je connais ce vendeur. Il est hospitalisé à l'hôpital général de Douala. Il est coincé. La famille veut vendre l'immeuble à 300 millions. Il y a un truc qu'on vend à 2 milliards et demi. On vous propose ça à 300 millions. Quand tu acceptes d'aller dans ces négociations-là, gars, seul, l'arnaque est à 90% de toi. C'est impossible. Un bien qui rapporte 20 millions, le monde ne peut pas le vendre à 300 millions. C'est impossible.